tout l'épisode 10, en gros, se passe dans le Châtelet. C'est là où Hassan va régler ses histoires, en fait. Ça va être un truc incroyable. J'ai peur de spoiler. On a beaucoup discuté du final avant de partir sur ce choix de faire ça au Châtelet. On a visité plusieurs endroits. On voulait que ce soit une pièce de théâtre. On voulait que ce soit un grand morceau de musique classique. Notre choix s'est fait sur le Châtelet parce que son emplacement dans Paris, déjà l'endroit est magnifique, l'endroit est historique. Action ! On a vraiment adoré tourner là-bas, on a eu des super scènes au théâtre du Châtelet, c'était grand, c'était beau. Et en plus, se retrouver plus ou moins une salle de spectacle dans cette période assez compliquée. Vous êtes flic, là il y a une tension quand même. Vous êtes là pour choper Dior. We're obviously we're filming this during lockdown. Hugo's great achievements, I think, is to be able to kind of create a packed theatre atmosphere using only a certain amount of people, making those VFX work to make that feel as full and vibrant as possible. Beaucoup de figurants, un orchestre, presque tout le casting réuni, et tout ça très contrôlé, effectivement, et très bien orchestré par la production. J'avais préparé la musique auparavant et l'idée était de faire semblant de jouer puisque sinon ça couvrait le jeu des comédiens. Donc là, les musiciens parfois avaient un peu de mal puisque forcément, quand on doit jouer du violon et qu'on ne doit pas toucher sa corde, c'est très compliqué. C'est un truc assez grand, assez fou de tourner dans le Châtelet avec tous les personnages réunis dans ce décor-là. Plein de choses se mélangent, la poésie de la musique classique et puis la brutalité des interventions de policiers. Le théâtre du Châtelet, ça a été un climax émotionnel aussi pour nous, pour les acteurs en tout cas. Pour nous, on était assez contents d'avoir un final comme celui-là, quoi. Tout dans la même pièce, un peu labyrinthe, un peu dans tous les sens.